pour moi, en tout cas, la définition d'être artiste, c'est la liberté. La liberté de créer, de s'exprimer. Puis, entre autres, ce projet-là, j'ai sorti de ma zone de confort. Je suis arrivé avec quelque chose de totalement différent, mais toujours respectant mon style, ma gestuelle, mes couleurs, ma façon de voir les choses, mais avec des sujets différents, puis avec des formats différents aussi. Moulin et Marge, pour moi, j'ai toujours eu un œil là-dessus parce que ça faisait partie de ma vie. Donc, je trouvais que c'était vraiment un projet important aussi pour la ville de Québec. T'sais. Donc, pour moi, de faire une série là-dessus, c'était tout à fait logique là, de faire un hommage. Là. Moi, j'espère que les gens vont pouvoir voir l'essence de ce que j'ai voulu communiquer là-dedans. Les images les plus importantes du moulin. Puis en même temps, bien, c'est un peu comme une façon de faire revivre le moulin image, mais en art visuel. Parce que là, c'est sur un mur, c'est pas une projection multimédia, c'est 5 tableaux. Je m'appelle Jean Gaudreau. Ça fait longtemps que je vis de mon art. Je dirais que ça fait à peu près 25-30 ans que je ne fais exclusivement ça. Là. Et puis, je suis très actif. Je participe à beaucoup de causes, entre autres, là, par mes œuvres. Je fais plusieurs expositions. Bien, ce tableau-là, en fait, en une phrase, c'est que ça représente un peu la part artistique au Québec en art visuel. Donc, puis je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment trois peintres, en fait, majeurs qui font partie de l'histoire. Le chemin de fer a été quelque chose. J'ai travaillé très fort. Là. Il n'a pas été évident parce que c'est beaucoup la perspective. C'est très linéaire. Vraiment, lui, avec le train aussi que j'ai fait. Donc, lui m'a demandé énormément de temps au niveau du détail. Là. Chemin d'eau, entre autres, Samuel de Champlain, pour moi, c'était comme évident qu'il fallait que je fasse son portrait, tu sais, qu'il allait faire partie de mon tableau. Bien ça, en fait, c'est le chemin d'air, comme je disais tantôt. Les quatre chemins, entre autres, donc ça, c'est l'avion que ça représente, là, justement, qui représente par la voie des airs, là, chemin d'air avec, justement, tantôt, je parlais de chez Gérard, qui est un ancien cabaret là, d'époque. Honnêtement, je me sens fébrile. C'est des œuvres qui vont quitter l'atelier après 3 mois de travail ici. Quand ils sont terminés, après, ben là, c'est les gens qui vont décider, bon, s'ils apprécient ou pas, c'est ce que j'espère, tu sais. Moi, j'ai tout donné ce que j'ai pu là-dedans, tu sais. Maintenant, ben, ils vont être dans leur contexte et puis ils vont vivre par eux-mêmes. C'est un feeling vraiment spécial aujourd'hui que j'ai de tout voir l'ensemble des 5 tableaux sortis de mon atelier, là, enfin, de tout voir ce travail-là depuis des mois là, de travail. C'est vraiment un feeling extraordinaire que j'ai là.